Et salut à tous, ici Benos Gaming pour le retour justement d'un petit jeu justement super intéressant qui nous avait intéressé il y a de ça quand même plus de 2 ans quand il était sorti, Subnautica. On l'a déjà un peu testé hier pour pouvoir vous le montrer. C'est un jeu qui est absolument sublime au niveau de ses graphismes et de son atmosphère qu'il développe. Et pour autant, ça reste, on va dire, un jeu qui aurait peut-être encore besoin de quelques développements, on va en parler. Je vais en profiter pour faire un petit test avec Macam. Voilà, on avait commencé une petite partie, voilà, on a joué 3 heures, histoire justement d'être un peu à l'aise, d'avoir les systèmes de près, et puis voilà, bref, vous emmerdez à mort sur cette VOD. Peut-être avec les Macam d'ailleurs. Appuyez sur mon petit bouton, je vais vous laisser avec l'intro du jeu. D'ailleurs, attendez. Donc en gros, il était éjecté de sa capsule. Si vous avez remarqué. Capsule qui débarque sur une planète visiblement très aqueuse. Et voilà, on se retrouve directement en fait immergé dans du gameplay. Alors je trouve autant justement le graphisme du monde est vraiment bien, celui du personnage qu'on incarne, on voit très peu, mais c'est franchement pas terrible. Ils assumaient déjà justement le placement de bug, alors c'est fait. Donc c'est pas 2 ans, c'est un an et demi. Ouais, si, au moins 2 ans. Donc Altera, c'est la boîte justement qui nous embauche. Head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Alors, donc rapidement, ça c'est notre menu barre des tâches. On retrouve justement tous les schémas de craft, on pourra en apprendre. Il y a un côté science qui est super intéressant dans le jeu. On apprend à crafter de meilleurs items et puis pouvoir crafter des bases aussi. Il y a une partie gestion de base. Ça, ce sont les balises, c'est pour les emplacements que l'on souhaite notifier. Il faut d'abord apprendre à construire la balise et après vous pourrez justement localiser certains endroits qui vous seront importants, comme par exemple une deuxième base. Bon, ça c'est pour les captures d'écran, ça c'est le journal justement qui enregistre chacun des messages que l'on reçoit. On va avoir une radio qu'on va devoir réparer en début de jeu. Voilà, tout simplement. Alors je confonds toujours autant les touches tab et compagnie. Alors voilà, ça c'est le fabricateur, donc c'est ce petit boîtier là qui nous permettra de faire les principaux crafts du but de partie. Et donc là il nous demande, alors putain, évidemment les settings ne sont pas sauvés, on va les corriger 2 secondes. La papa papa. Alors l'esprit des settings est pas fou. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc là, l'idée au début, c'est d'aller réparer ce petit truc là. Et donc pour ça, il faut faire un réparateur. Le réparateur. Donc voilà. Et là, il y a les équipements. Donc ça, c'est ce qui s'utilise sur nous, mais pas que, ça peut être ça par exemple s'utiliser sur des bases, ça aussi. Donc les ressources nécessaires sont alors pas les balles, outils, voilà. L'outil de réparation demande du caoutchouc en silicone, du soufre de cave et du titane. Alors certains matériaux peuvent être trouvés bruts comme le soufre et le titane, mais par exemple ça ne semble pas le cas pour le caoutchouc. Pour pouvoir faire du caoutchouc, c'est aussi simple que ça, on va devoir récupérer de la graine de vigne d'orin.
Le titane, lui, se retrouve à partir de débris métalliques ou directement, naturellement, sur la roche. Donc, avant tout, là, pour l'instant, vous voyez, c'est pas extraordinaire au niveau graphisme. C'est bien, on remarque ça nous met les petits éléments où est-ce qu'on en est. Donc, la coque est ok, mais tout le reste, c'est la merde. C'est même la merde totale. On va plonger. Alors, pardon, on va pas plonger, on va profiter de cette intro scriptée quand on voit pas après les caméras. Donc voilà, le vaisseau principal est là. En début de partie, on s'en rend pas compte, mais il est extrêmement loin. On va pas y aller tout de suite, si on a trop peu de réserves d'oxygène, et ça va vite fait être la merde. Mais voilà, on profite justement de l'atmosphère du jeu. Nous voilà dans le véritable gameplay du jeu. Donc là, nous, ce qu'on a besoin au début, c'est beaucoup de ferraille et de la graine de. Donc les débris métalliques que vous voyez servent à faire servent à récupérer pardon de comment ça moi de faim je choper un petit poisson. Alors les poissons faut pas les manger crus, il faut évidemment les cuire. On a, ah putain mais je suis pas habitué encore. Je me suis réhabitué pardon à l'oxygène à 135, je peux vous dire que l'oxygène à 45 c'est un peu dur. C'est pas grave, c'est des petits plongeons, vous voyez, comme quoi on aurait vraiment pas pu aller très loin avec des champignons pour faire des piles. Et on aimerait bien récupérer un peu de cuivre en partie, c'est parfait. Donc là on va avoir de quoi faire quelques premiers systèmes. Il nous manquerait juste ces graines de Pidora. Vous allez voir, c'est assez joli. Hop là, on va aller par là. Donc il se trouve justement dans ces sortes d'algues arbres géantes à leurs racines. Donc ces algues permettent de récupérer donc les graines qui sont à leurs pieds. Donc là elle, on n'a pas celle-là. Putain, on a déjà plus de flop. Ah ça serait triste de ne pas en trouver sur cette map. Ah voilà, elles ressemblent à ça, elles prennent énormément de place dans l'inventaire. On va reprendre la plus de la vie. On est full stuff. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Perdre au début la base de vue que je suis en train de faire. Là, alors, vous voyez, on va vendre tranquillement. On est complètement full stuff. Ça sert à rien d'aller récupérer. On peut nager tranquillement à la surface. Mais je vais vous montrer un peu ce que c'est. C'est quand même assez amusant. On peut se balader dans ces énormes tubes. C'est assez kiffant, je vous l'avoue. Et quasiment vraiment tous les tubes, on peut faire ça. C'est. Il y a plein de trucs, c'est vraiment un plaisir. Moi je n'ai jamais fait de plongée, mais bah là ça me fait beaucoup plus envie. L'atmosphère est vraiment extraordinaire. Elle est inquiétante par nombreux moments, mais la réalisation, l'exploration, etc. On a vraiment l'impression d'être un explorateur. Hors pair, quoi. Enfin, non, je trouve l'ambiance est bien trop ici, quoi. Donc, on va faire du titane à partir de ce qu'on a récupéré. On va également faire du caoutchouc à partir des graines de vigne. On va faire deux. Voilà. Et donc, nous, ce qu'il nous fallait, donc on disait, c'était un réparateur pour réparer justement ce système-là. Le petit de réparation, il faut encore du soufre, ok. Est-ce qu'on peut faire autre chose en attendant? Les palmes, ça serait bien, le réservoir d'oxygène, please. Please, un réservoir d'oxygène qui tient pour faire la route, des palmes, ça c'est super important. C'est juste trop chiant d'avancer à 3 km. Et le couteau de survie qui nous permet de récupérer d'autres ressources qu'on va pouvoir tailler avec
On peut également faire de l'eau qui est essentielle, donc c'est en bas à gauche, je sais pas si vous voyez mon curseur. Ça c'est le réservoir de flotte, donc en dessous de l'oxygène. En dessous à gauche de l'oxygène c'est la réservoir de bouffe. Et à gauche c'est la vie tout simplement. Que l'on... il faut pas que l'oxygène tombe complètement à zéro, mais on peut mourir un peu fort. Et c'est pas dramatique, mais complètement. Pour l'avoir fait plusieurs fois. Donc voilà, on sait du poisson cuit. Le poisson cuit ne se posa pas longtemps. Et ah, remarque, on est du sel, on a pu en salir. Mais là, de toute façon, on a l'air un peu trouvé la dalle. D'ailleurs, on va consommer l'eau, on va consommer des pipers. Le petit Gary, voilà, hop là. Petit Gary fish. Si, attends, on va stocker les graines de vie d'orin qui ne prennent place pas possible. Donc voilà, ça c'est un emplacement de stockage plutôt pratique. Il est juste à côté du craft, donc ça veut dire qu'on a de quoi faire encore pas mal de caoutchouc. Et il nous faut du soufre de cave. Je sais pas comment on l'obtient d'ailleurs. Dans les caves. Il faut qu'on équipe. Alors le réservoir est occupé, c'est super, mais assigné un, lui on va le mettre sur le 2. Voilà. Là on a notre couteau équipé. Vous voyez notre réservoir d'oxygène à 75, déjà c'est acceptable. Même si c'est la merde. C'est le petit poisson là nous agresse, faudra y faire gaffe, celui-là aussi d'ailleurs, voilà, c'est crème celui-là. Faut être vigilant à pas se faire tabasser par les poissons, à pas manquer d'oxygène, de faim ou d'eau, mais très rapidement c'est tout ça devient des automates. C'est peut-être pas comme ça. Je sais plus. Ah non, c'est pour autre chose encore. Je les prends parce que ça va être utile par la suite. Non, ça c'est encore autre chose, je crois. On n'a pas besoin d'énormément de craft, donc en fait les phases de craft sont assez courtes. Une fois que vous avez trouvé la ressource, ça vous suffit généralement. Je vais reprendre un peu de titane parce qu'on en a beaucoup, beaucoup plus besoin que d'autres structures, surtout en début de partie. Dans la mesure où... le système permet notamment de faire des emplacements de stockage. Les gants, comme ça, un peu du stuff qui vient de partout. C'est top. Et regardez encore une fois, l'ambiance du jeu est absolument réussi. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Entre le vaisseau qui est en train de cramer. Là, ça souffle. J'ai repris mon petit. Ah, il faut très rapidement aussi que donc on fasse un scanner. Du fil. Ok. Titane. Ah merde. Donc là on va voir une des pires salles de poisson. Oh, on l'a esquivé. Oh. Pas y rester longtemps à côté. Donc c'est. Oh, alors faut vite ça. Du cuivre. C'est pas ce qu'on veut. Ah merde, on en a gros un autre. Ce sont des sortes de mines qui nous suivent. Non, c'est peut-être. Oh, merde. On a grid clairement l'oxygène. 6, 3. Au bout d'un moment, vous verrez, c'est la torture. On va avoir une petite alerte justement qui va nous dire attention, c'est la merde, tu vas mourir, remonte. Et on remontera à ce moment. Et on restera en vie. Ne vous inquiétez pas. Bon, on souffre de cave, moi ça peut être pour rien. Vous avez vu, c'est trop kiffant. Je devrais prendre peut-être 2-3 champignons. Oh, j'ai besoin de faire une pioche. Juste ça. On va prendre un peu d'oxygène. Et on couche.
Alors jouer, ça c'est la bonne question. Je sais plus comment j'avais fait du saufflot avec la rêve, mais c'est pas grave. Là il y a la mine, encore une fois, donc voilà, il la faut. Et voilà, putain, je me prends les petites sœurs. Bon, après. Putain, il y en a encore une. Super. Bon, on s'est pris de la sauce complète. C'est pas grave, en plus ce heal, c'est pas très compliqué. Bon, celui-là au moins on l'a essayé. On a plus de quartz, c'est lui. Voilà, ce métier, on a plus de place. Ok, et on a pas trouvé notre souffle. Ta gueule. Je vais souffler les yeux. Ok. Alors, je crois que tant qu'on n'a pas de réparateur, on n'a pas de guillotine. On a juste une place. On va transformer les débris mécaniques en titane. Tiens, prends ce point 4 de place. Donc là, on a clairement récupéré un peu trop de titane. Mais bon, on a débarrassé justement. Et on va faire du fer. On va faire quelques items assez utiles en début de jeu. De la javel, ça c'est pour filtrer, on s'en fout pour l'instant. Mais on peut saler. Allez, on en a. Alors au début, le Siglide est vraiment ultra utile. C'est une sorte de petite turbine qui nous permet. Donc là, il nous faut de l'argent encore. Faire le réservoir amélioré, ce qui n'est pas du luxe. Ah, ça par contre, on peut faire des palmes avec du caoutchouc. Il suffit de récupérer. Alors, on va les stocker par exemple du système parce qu'on a une quantité bien trop importante. Hop, voilà. Il en fallait deux, ça suffit. Hein. Pas du lubrifiant, on en a besoin après, mais du caoutchouc. Et nous voici avec nos palmes. Donc là on est un peu mieux équipé. Est-ce que je les avais fait tout à l'heure? Est-ce que j'ai trollé, je les ai fait tout à l'heure? Non, c'est bon. Si, j'ai coupé. Quel connard! C'est pas grave, voilà. On commence à. Super, hein. On fait toujours des petites arbres à la con. C'est pas grave, on a niqué du caoutchouc. Et le soufre de cave. Voilà, est-ce qu'on craft le soufre de cave? Pas du tout souvenir, non, faut juste le trouver quoi. Et il nous faut de l'argent. Bon, il va falloir qu'on explore un peu plus loin aussi. Donc, on va aller stocker des. Parce qu'on a, on a vraiment trop de trucs qui traînent. Et on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va faire notre première armoire pour stocker le bordel qu'on a, le surplus en fait, de stuff qu'on a. Voilà. Et on va prendre le kit de soins. On est full stuff, évidemment. Sur ma... Alors on va aller déj. On va faire un gros pollueur de planète. On s'en fout, on est dans un jeu vidéo. Déposer. Voilà, je jette officiellement ça. Je suis un enfoiré. Et je vais, quitte à polluer, autant pas y aller à moitié. Je vais me remettre ma première armoire flottante. Et y stocker. On peut y stocker dans celle-là que du titane. Voilà. Après, on s'y perd très vite avec le nombre d'armoires qu'on a. Je vais aller échanger du titane, récupérer une nouvelle. S'il te plaît. Merci. Non, pas ça. Récupérer le titane qui était là. Et ici, on va faire de la place. Ça, on va les prendre, ça va être utile. Ça, on utilise. Ça, on utilise. Ça, on utilise. Voilà. Ok. Ça, on va la prendre. Ça, on va la prendre aussi. Et on va les mettre là-dedans, par exemple,
les autres minerais. Que le titane. Voilà. Et les corail. Corail, tu veux la cobaye. Là. Très bien. Ok. On est reparti. On va essayer de trouver. Ouais, peut-être utiliser. On va utiliser des chances. Très bien. Voilà. Ça, eux, ils larguent du poison. Il faut éviter de. Se mettre dedans. Là il y a une autre mine. Là je suis à 9. Je sais pas si les mines respawn, je vais essayer maintenant, c'est safe ou pas. Ah d'accord, ah bah oui. Ok. Donc il faut en effet que c'est dans les mines que l'on trouve le souffle, j'ai oublié ce détail. C'est très intéressant de le trouver. Ouais c'est bon, de sec. Ah, donc là il faudrait vraiment que j'ai un single layer, c'est bon, c'est très difficile toujours de se repérer. Faut retrouver après où on est. Là on est, alors par rapport, on a, de toute façon il y a un repère, c'est là. Par rapport au vaisseau à l'est. Ah merde, on se aggro par Jean-Michel Poiscaille. Essayer de vouloir mettre fond. On a notre soupe de cave. Il fallait quoi d'autre avec le soupe de cave. Ah, c'était un outil réparateur. Non, c'est bon. Merci. Super. Paf. Ok. Donc on a le réparateur. On va voler. Déjà. Hop, donc les boutons c'est tout simplement clic droit pour l'utiliser, c'est donc j'ai utilisé avec clic gauche, c'est pas encore très clair pour le jeu. Voilà, donc là on est tout ouvert, système. Ah, la radio hors service. Et là, on va voir le début de l'histoire. Rescue operation will be dispatched to your location 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Alors, donc au début il nous faut du cuivre. Des piles et on va faire le premier scanner. Donc le scanner en fait c'est la science dans le jeu qui nous permet de découvrir les nouveaux objets à crafter. Donc tout à l'heure en fait on a vu un fragment de Seaglide, je sais pas si vous avez fait attention, c'est pour ça que j'ai essayé de retrouver l'endroit. Ce fragment de Seaglide nous permet justement de faire le premier engin de déplacement rapide du jeu. C'est loin d'être fou. Mais c'est quand même plutôt agréable. Donc nous voilà, on est équipé du scanner. Pas tout de suite, mais ça le sera à un moment. Autant l'avoir. Je l'ai pas fait sur la précédente partie, je l'ai regretté. Donc je la fais maintenant. Et là c'est pareil, quitter les menus, c'est un coup tab, un coup. Ah, il est pas encore rechargé. Un coup tab, un coup. Échappe. Ah, je vois. C'est pas clair. C'est à toi de se battre, oui. Donc voilà, c'est de la science. On peut évidemment scanner tout ce qu'on trouve pour essayer de voir à quoi ça peut servir. Qu'est-ce que c'est. Vous voyez, je vais montrer. Donc pour l'instant, on sait pas de quoi en faire. Donc sinon, on ne peut pas la récupérer. Et voilà, c'est la coquille de corail plat. Et je suis. Les champignons nous disent que c'est particulièrement acide. Là, c'est de la mauvaise herbe. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Faire très attention aux différents bruits dans l'eau. Rapidement, vous allez repérer les bruits de chaque salle pour les espèces. Une géologie. Source de titane et de cuivre. Dans les affleurements de calcaire. Ah! Ça c'est parfait, donc c'est
Vous voyez, donc là on va appliquer la science. Donc là on a un piège à gravité qui est abandonné par le vaisseau. Voilà. Ma peine. Il faut que tu respires. Allez. Donc voilà, des fragments laissés justement dans le vaisseau qu'on peut analyser et on va pouvoir, si on analyse assez, bon j'en ai assez de 3, les construire nous-mêmes. Donc là, évidemment, je dis ça, mais c'est 2. Tiens, c'est super. Super! Arrête de piquer! La valise dont je vous parlais tout à l'heure qui permet justement de repérer un endroit particulier de la map et un fragment de Sea Glider, ça c'est super. Il en faut qu'on ouvre 2. On trouvera assez rapidement un deuxième, du moins on l'espère. Voilà, là on va voir le deuxième piège à gravité et paf, vous voyez, nouveau schéma synthétisé, ce qui veut dire qu'on peut dès à présent le construire. Un Piper. Voilà. Piper. Arrêtez de piquer. Voilà, puis un requin des sables. Donc, déjà, quand il y a requin dans le monstre, en plus il est bloqué ce matin, on va avoir le temps de le scanner. On va même le regarder tranquillement. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Donc, j'ai même pas d'oxygène. On va le regarder là-haut, je crois. J'ai jamais eu le temps de le scanner, là c'était un. Vraiment il était bugué, je sais comment on va. Requin et sa prédateur de taille moyenne creuse des terriers dans le sable et en plus sa proie par en dessous. Comme on voit, un genre d'installe, l'emplacement de l'unité, c'est un jour sur l'aide de report du déplacement qu'on peut utiliser pour mouvoir le segment. Exosquelette segmenté. D'accord, donc il est pas très mal. Enfin, il est maniable, non, il a du mal à se déplacer sur les côtés. D'accord, c'est vraiment l'embuscade. Analyse à éviter. Méfiez-vous des embuscades dans des biomes sablonneux. D'accord. Ah bah oui, j'avais même pas fait gaffe à ça. Vous voyez, c'est toujours intéressant justement d'aller scan ces petites merdes. Caution. Continued degradation of the auroras. Drive core. Ah super. May result in a quantum detonation. On va déjà avoir la balise. On a vraiment enchaîné. Moi, sur ma présente partie, j'étais vraiment. Donc, alors, quand on a terminé de scanner, voilà, on récupère. Là je l'ai scanné deux fois déjà la balise, donc la troisième fois, quand on n'a plus besoin, ça nous apporte tout simplement du titane. Donc voilà, on a terminé de checker l'épave, je crois. Attends, on a vraiment trouvé le deuxième fragment de Sea Glide. Et en voilà, hein, c'est parfait, on a c'est déjà faire un Sea Glider, c'est extraordinaire. On va avancer très vite dans cette partie, je sens. Juste avant. Peut-être trop vite pour vous. Dans le temps de l'atmosphère. Je vous dirai justement dans les commentaires si de... si vous voulez qu'on chill un peu plus. Mais après, en fait, une fois que tu sais quoi faire, le jeu est assez rapide, t'as pas besoin de farmer pendant des heures des ressources. Sauf quand tu vas être en mode construction de base, là oui, évidemment. Ça sera pas le même délire. Alors, la balise, c'est pas ce qu'on a besoin tout de suite, on veut avant tout le Sea Glide. Donc il nous faut un fil de cuivre, une puce, et en gros il nous faut beaucoup de cuivre. Et là on a plus de cuivre et il nous faut une autre pile. Donc, très bien. Est-ce qu'il nous reste du cuivre? Non, on va devoir aller en chercher, c'est pas un problème. Là-dedans j'ai largement assez de place pour tout. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un coup de flotte, mais c'est pas grave. Il nous faut trouver du cuivre. Le cuivre se trouve à l'affleurement de zones rocheuses comme celle-ci. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Affleurement de cuivre. On va trouver du coup dans une zone interne pour l'instant. On va garder en visu. Donc l'étape de corail qui permet de faire des circuits intégrés. Ça ne m'avait pas scanné non plus. En plus, c'est une sorte d'autre requin. Je pense qu'on va avoir du mal à le. Vas-y, on. On joue un peu avec le feu. C'est amusant.
Le rôdeur. On l'a brain, on l'a complètement brain le pauvre. Pas du coup grand chose de sa vie. Et je rentre sur ma spawn. J'ai très hâte d'avoir le bon la position. Le rôdeur. Prédateur évincé, remonté. Ah ouais? Donc le rôdeur kiffe le stun. D'accord. Ah, on peut les nourrir. C'est génial. Ah, d'accord. Attends, je suis le rôdeur. On aura des meilleures armes que le petit coup de qu'on a là. Nous servira pour du verre émaillé. 100% n'aura pas du tout revenu d'ici là, mais c'est pas grave. Mais peut-être que vous pourrez m'aider dans un épisode où je recherche. Que ça sert, je crois que ça sert pour de l'argent. Yes, ça sert à redébuter à trouver l'argent. Pas mes couilles. J'ai perdu ce le passage. Voilà. Donc la première fois, j'ai dû le choper par maladresse. C'est assez incroyable. Ah, ça c'est du cerveau de cerveau corail, c'est ça. Corail cerveau. Ouais, oxygène peut-être, mais voilà. Lui nous fournit justement en oxygène. Ce qui nous permet par exemple de prendre un peu plus de temps pour regarder ce qui se passe autour. Ce qui se passe autour. Donc là, il a l'air d'avoir des trucs. Pas du tout. La question c'est dans la forêt. Plante aquatique, commune. Ah, on me dit radio message. Ah merde! J'espère que j'ai pas loupé l'explosion du... Alors... Donc il nous faut du cuivre, toujours. On cherche. La nuit c'est toujours... Là je vais pas scanner. Quand tu scannes. Ça c'est pour nous dire en gros que c'est une forme de vie composée principalement d'eau qui est donc buvable. Contrairement à l'eau qu'on trouve. Enfin, ah voilà. Allez, non, c'était encore. Du cuivre, oui. Il est temps d'aller. Wow. C'est qu'on a une lampe torche. Je crois que c'est l'efficacité de la lampe torche. Là, c'est pas mal. Oh ouais! Ouais, du bateau! Ah, si, 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 ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je crois qu'il y a encore besoin d'un ou deux cuivres. Un ou deux cuivres, je vais chercher. Ouais, il y a des mines de partout. Activer les mines. Du cuivre, super. Grand tube stun, c'est bon, on a 1 million. Alors les grands tubes comme ça, c'est vraiment l'idéal pour aller farmer justement les ressources. En profiter. Je pense que. Ouais, je vais prendre le stun, mais je pense pas qu'on aura besoin de beaucoup. Par la suite, on va se tirer. Vas-y, on va se tirer maintenant. Si on en a assez, on va revenir au bateau. Ouais, du bateau! Enfin, du bateau, la, notre capsule de sauvetage. Ici. Faudrait que je chope un petit peu là. Voilà, très bien.
Alors, le fabricant de kits, oui. Merci. On s'est trop tapé la gueule, son grid, peu importe, c'est pas grave, c'est comme d'hab. On va boire notre flotte. On avait pas un petit truc à graille? Non, si, oui, ça. Mais on est full. Ouais, non, sinon, on s'en fout. Alors, le seagliding, il nous fallait donc une pile. On va faire de suite. Ah, il nous faut des champis. J'ai peut-être plus de champis, ça c'est possible. J'ai plus de champis. Enfin, entre le tab et le échappe, là, ça commence à me saouler. Est-ce qu'on fait toutes les tables? Ouais, je crois. Je me sens tout de suite très con. C'est pas grave, c'est pas grave. On a déjà 1 minute. Enfin, en vrai, au début, on a juste pas mon truc. Parce qu'on va pas très très loin. Il nous fallait quoi? Oui, simplement du champignon ici. Ouais, c'est bon. Lui, il a une sorte de rire trop amusant. Ah, attends, vas-y, gaz ou pas de parce qu'on est sans souffrance sur le gaz. Là, il en a mis tellement quand il est quand on stress là. On va la lire dans le. Base, pour être. Manque de données, donc c'est un herbivore large, gazopode. Forme de vie lente qui imprègne l'eau environnementale avec un composé empoisonné et corrosif capable d'absorber même les fibres synthétiques. Système de filtration, branchie en gros, qui filtre les trucs toxiques. Un gros sac d'algues bioluminescentes. Pour faire sortir le produit toxique, grande nageoire, si on a vu gazopode nature sociale, peut même utiliser leurs émissions lors de parades nuptiales. D'accord, leur champ ultime l'indique. La proximité de menace ou de source de nourriture. Ah, d'accord, on savait pas ça. Approchez-la avec précaution, les gouttes peuvent être récupérées et utilisées. D'accord, ok. Donc ils produisent un acide qu'on pourra pour récupérer, peut-être pour les games, sauf que pour l'instant je l'ai toujours pas vu. Paf, on va faire notre pile parce qu'on avait besoin. Et on va pouvoir faire, oui, le seaglide, ça c'est vraiment un plaisir. On va pouvoir avancer 2 fois plus vite. Mais vraiment, c'est bon d'aller. Après, il nous faudra la valise du véhicule. Moi je vais pas encore couper ce que j'en étais. Le réservoir d'oxygène amélioré, on va tout de suite le faire. Il nous faut du verre. Voilà, normalement. Hop. On va en faire un peu. On n'a pas besoin en fait. Il faut le déséquiper peut-être, les arbres d'oxygène smart. Il faut le déséquiper. Hop. Voilà. Yes. Super. Là tout de suite, on va dire ça peut être beaucoup mieux. Ok. Après, de toute façon, il faudra retrouver les technologies nécessaires pour les autres objets. La base des véhicules qui est vraiment essentielle. Le piège de gravité, je l'ai pas utilisé. L'impression de partir, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Peut-être plus dans une base. Quand tu te fais aggro par des gros monstres. Casse-couille, je pense que plutôt dans ce délire là. Peut-être faire une deuxième pile dans la mesure où le Seaglide utilise des piles tout simplement. C'est un instant qu'il faut recharger. Le recycleur, ok. Ça faudrait que je le fasse après. Donc là dans l'absolu, vas-y, on va aller stocker les autres créatures ici. Le boomerang cuit pourri. C'est de la merde, il va falloir le jeter. On l'a un peu oublié, c'est pas grave. On va faire cuire nos pipers. Ouais, je sais pas si on peut cuire nos pipers. Ça se perd très vite le piper cuit, mais... et puis on est full bouffe. Mais
Alors, je vais m'assigner aussitôt le Seaglide à la place du réparateur. Assigner à l'emplacement 3. Non, plutôt j'aurais dû mettre le extincteur sous le cintre. En vrai, je vais juste stocker, ça sert à rien. Bon, dans les games, le extincteur nous servira quand on ira sur d'autres structures. Eh oui, regardez comme c'est incroyable. On avance beaucoup plus vite. Est-ce que je prends de quoi faire du soin? Non, c'est bon, ça va. Cette zone-là, on l'a déjà faite, hein. D'accord. Ouais. Donc là, on va essayer de faire un peu d'exploration. Trouver notamment. On a beaucoup besoin de recherche. On n'a plus tellement besoin de ressources, vous voyez. On est quasiment capé par rapport à ce qu'on a besoin actuellement. On a besoin justement d'avancer. Idéalement, on aimerait bien trouver la balise des véhicules pour pouvoir commencer à construire. Donc les deux vaisseaux. De mon souvenir pour regarder les trucs qui sont le Simoth qui est un premier vaisseau léger et le Cyclope qui est le gros vaisseau du jeu. Alors ça je crois que ça se casse au laser, ouais c'est ça. Il faut une sorte de chalumeau un peu là. Ça, je crois que c'est. Est-ce que c'est le cyclope, ça sert à ce que. 30 seconds. Pas du tout, c'est rien. Rien. Ouais, 30 secondes d'oxygène, mais maintenant qu'on peut remonter vite, c'est. Ça devrait le faire. Oxygène. Allez. Quoique, en fait, on est peut-être un peu que de cœur. On n'est pas très très haut. 1. Je vous avais promis justement l'animation, voilà. Vous voyez, le jeu, ça se fout un peu. Mais rien de méchant. Je suis sur le point de se noyer. J'ai ça tout le temps. Je suis trop con. Attends, on est pas du tout au même endroit là. Ah oui, on c'est juste qu'on n'est pas allé tout à côté. Donc là-dedans, dans cette caisse, il n'y a rien. Très bien. Là-dedans, il n'y a rien non plus. Là-dedans, c'est un endroit qui n'a absolument rien à scanner là-dedans. C'est un peu décevant ça. Un peu décevant ça, monsieur. Ouais, ouais, tout ça est full vide. Hein. On ne peut pas trop rentrer à l'intérieur. Ah la douille, enfin si en fait faut juste rentrer à l'intérieur quoi. Mais on n'a pas l'équipement nécessaire. Tant pis, c'est pas grave. On continue notre petite explo. Alors ouais, il y a des sortes de. Comment c'est. Elle est sous jour. Je savais pas scanner la dernière fois. Hop, on va aller scanner. Ça a pas l'air méchant en vrai, tout à l'heure ça m'avait pas agressé. Allez. Je sais pas s'il faut vraiment s'approcher de ça. Tape pour voir. Grosse coquille machin. Abrite des plantes, des petits poissons et des berbes. Ah oui, ça c'est les sortes de plantes qui nous envoient des pics, c'est des vraies saloperies. Parce que leur siglet n'est pas terrible pour faire. Casser la vermacle. Des barrières. C'est quoi ça? Berceau rouge. Qu'est-ce que ça sert? Ça se taille? Merde, où est-ce qu'on va le trouver ça? Corail? Pas du tout. Faune, non. Bah alors. Flore. Flore. Exploitable, elle est peut-être pas exploitable. Merde.
Verse rouge. Un spécimen complexe de fleurs carnivores, le néogéomycète est certainement protégé par une cage rigide. Pour les herbivores de taille moyenne, d'accord. Bon. C'est juste une plante, c'est du lore. Et ça, c'est une sorte de corail. Plaque de coquille. Corallien. Sans doute. On va essayer de nous faire chier là, mais. Mais. L'agro lui s'en est battu les couilles. J'ai pas envie de l'agro maintenant. Ah oui c'est bon, il y a plein de petits poissons qui réfléchissent là. C'est amusant. Ça me dit rien. Passing 100 meters, oxygen efficiency decreased. Mais merci. Des pots de sel. Ah d'accord, en gros faut je pioche. Alors ça c'est la zone qu'on a fait ou pas? Non, non, il y a l'air d'avoir tout en plus là. Un fragment de cimote, yes! Ça c'est super cool. Ouais. Alors il faut la balise à véhicule, mais on est super content de l'avoir quand même trouvé. 30 secondes. Débat métallique, ça m'aura plus, ça évitera que le scanner il... Distributeur automatique parfait. On va devoir remonter vite avec l'oxygène. On est toujours dans le limit testing. J'ai fait une noyée. attends, on est dans une dynamique d'exploration, on va pas on va revenir. Là d'où on vient, donc il est où le... Notre vaisseau est là, donc c'est parfait, on va continuer de s'éloigner par ici. Là il y a une caisse. Allons voir de quoi aller. On va se situer. Bah alors. J'ai plus que dalle. Merci. Allez. Vous avez vu un truc à moi hein. Découpeur laser, yes. Ça c'est le truc, c'est un truc vraiment qu'il nous faut aussi. Pour rentrer dans le bah, dans le vaisseau que vous avez vu tout à l'heure en fait, simplement. Il y a du plomb, il y a des matériaux rares. On va avoir besoin par la suite, je peux récupérer maintenant, parce qu'on est croise pas tout le long. De l'or, c'est marrant. Parce que d'habitude je les trouve pas sur des trucs comme ça, je les trouve dans des endroits vraiment lointains et pourris. Mais après on est un peu loin là, donc c'est... ça c'est la carcasse de vaisseau de tout à l'heure ou pas du tout? C'est là où on a récupéré le distributeur automatique, tout à fait. 30 seconds. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Chill, frère. Ah, si, attends, non, c'est du débris. Oxygen. Rien. Non, il y avait rien d'autre. Ok. On va prendre tranquillement notre route. Ah, merde. Je l'avais pas vu venir celui-là. Ben voilà. Alors ça nous est arrivé quelques fois. Parce qu'on s'en bat les couilles un peu de la partie survie du jeu. On est un peu trop au limite testing comme toujours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va grailler un coup. Voilà. Alors maintenant on a dû bouffer. Ouais, on peut... ils sont plus bons. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave parce que dans, ce jeu-là exploite principalement les mécaniques de recherche scientifique. Bah, la recherche scientifique, elle reste. Certes, on a perdu, en fait, ce qui est vraiment chiant, c'est qu'on a perdu le fond et l'or qu'on avait trouvé au début. Ah, je serais pour vous mettre en perte aussi.
Donc oui, cette mécanique justement de recherche scientifique fait qu'on peut s'exposer quand même à de grands périls et pas revenir toujours en vie. Alors, l'ambiance du jeu est assez stressante. Moi, c'est pas le jeu qui me fait vraiment le plus angoissé. Fragment de Seaglide, ça on l'a déjà découvert. On en a plus besoin. C'est joli ça. C'est quoi? Javelon pendu. Éviter. Ah, d'accord. Ah oui, ça envoie. D'accord, le charge électrique que j'ai bien fait d'éviter. Très bien, c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, ce qu'on apprend que non. J'ai même pas eu la punition pour apprendre. Ça, c'est un débris métallique. Sécher la viande. Et on va peut-être remonter. Donc évidemment, avec l'équipement qu'on a, on peut pas aller très profond. C'est pas grave. Parce qu'au début de partie, on arrive à trouver quand même beaucoup de fragments à des profondeurs tout à fait correctes. Si on est à 200 mètres, c'est déjà trop. Galère à respirer à partir de 100 mètres. Non, ça c'est la zone de tout à l'heure. Ah oui! Attendez, je vous montre ça. Et donc à partir de ce moment-là, ça devient la merde. Vous êtes très vite comprendre. On peut plus quitter. Voilà, combinaison anti-radiation. Oui, on va devoir se taper la radiation. Donc, bon, on va continuer notre exploit un peu, mais pas beaucoup. On va essayer de la retenir et crafter. Je sais évidemment plus du tout ce qu'il faut pour pouvoir la crafter. Il y avait une caisse, j'étais pas fou. Vous l'avez vu comme moi. Yes! Putain, on va avoir le découpeur laser sur cette run, c'est trop bien. On fait encore un. Après, c'est comme le loto, ils ont toujours un numéro. Hein. On va remonter un peu pour pouvoir avoir une meilleure vision d'ensemble. Et ouais, donc Subnautica, en fait, j'avais regardé les LP il y a de ça, pouf. Genre quand le jeu était sorti, il a été aussi stylé, il donnait autant envie. Et à l'époque j'avais un PC de merde. Oh yes, type réacteur. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'à l'époque, voilà, à l'époque, j'avais pas de quoi faire tout. Donc là, c'est un dégranchement. Puis c'était aussi un jeu que j'ai envie de faire découvrir. Parce que, bah justement, c'est un streamer assez connu que je suis depuis longtemps, GobGG, qui est plutôt du LOL habituellement, mais qui a fait justement une découverte de ce jeu là. Il en est d'ailleurs à peu près aussi avancé que moi actuellement. Et que je vous conseille d'aller voir si vous connaissez pas. C'est plutôt un streamer vraiment très intéressant. Et il a rejoué ce con, et du coup il m'a clairement. Je me connais. Charognard et parasite.
recycleur de déchets nécessaires, sa présence pour augmenter la présence d'un vase ou de grotte dans les environs. Ouais. On va ramasser l'œuf de créature qu'on ne sait toujours pas à quoi il sert. Integrating new PDA data. Spécifique. Ouais. Self-scan okay. complete. normal. Continuing Parce que je pense que je choper des trucs genre comme les radiations, tu vois. Ouais, on s'en fout. Yes! On va avoir le découpeur laser. Trop bien. Aïe. Par toi? T'es agressif toi? La baise. Mais putain, mais on est vraiment... des cassos de l'espace, c'est nous, c'est l'habitude, vous allez bien, c'est... J'ai ça tout le temps, j'en peux plus de moi. Bon, bah en tout cas, c'était une première partie de découverte qui était des plus agréables avec vous, en votre compagnie. On va faire d'autres épisodes, vous montrer un peu le développement du jeu. Je vous dis pas encore tout, mais vrai, il y a des trucs vraiment super intéressants. On a le découpeur laser, en plus là on va commencer à vraiment pouvoir faire de l'explo au top du top. On va pouvoir aller visiter le vaisseau prochainement, l'Aurora. Je vous en dis pas plus et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!